Yes, indeed. It is called Lothric, where the transitory lands of the Lords of Cinder converge. In venturing north, the pilgrims discover the truth of the old words. The fire fades, and the lords go without thrones. Truth, the lords will abandon their thrones. And the unkindled will rise. Nameless, accursed undead, unfit even to be cinder. And so it is that ash seeketh embers. Et Niam et Chaton, c'est Bakan et Kosan sur YouTube et heureux de vous retrouver pour une nouvelle série de vidéos sur Dark Souls 3. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle. Bien évidemment, nous allons commencer une nouvelle session de vidéos. Et bien évidemment, nous allons jouer un mage. Et puisque c'est un mage, ce sera Gandalf le Vieux. Tout simplement. Voilà, Gandalf le Vieux. Parce que je trouve ça rigolo. J'ai beaucoup aimé dans les cassos. Bonjour madame, on cherche un homme avec une grande barbe un peu mystérieux. Il s'appelle Gandalf le Vieux. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc Gandalf le Vieux. Alors, sexe, homme, âgé forcément, classe. Il n'y a pas beaucoup de questions à se poser ici. On va commencer un sorcier. Oui, sorcier, parce que. Voyons voir. Relique funèbre, jeune branche blanche. Les bombes de feu noires. C'est quoi, c'est des bombes de feu ou des. Ouais, les bombes incendiaires noires, on en trouvera suffisamment tôt. C'est pas. Pas la peine de se préoccuper de ça. Et si c'est juste pour ce. Pour s'épargner un aller-retour vers Snuggly, je préfère largement ne pas me faire canarder par le géant, qui se trouve au Undead Settlement. Et très franchement, c'est suffisamment relou quand il vous canarde
pour récupérer tout ce que vous avez à récupérer dans le cimetière du campement des morts-vivants. Visage préétabli, non, morphologie, apparence, âgé, on avait dit, physique, musculature, des petits blancs, c'est qui est nerveux. Non, standard, c'est bien. Pilosité, on s'en fiche. Non, pilosité, épais, non. Détails, couleur de base, couleur de peau, on va le mettre en clair. Alors je sais, être clair pour un sorcier, c'est assez antinomique, mais bon. Voilà, couleur de peau, couleur des arêtes, on s'en fiche. Modifications sont annulées. Voilà, détail du visage, forme du visage, cheveux. Normalement, il a des cheveux longs, Gandulf. Bon, les seuls cheveux longs que je pourrais lui trouver, c'est ça. Sinon, il y a ça, mais ça, c'est pas... Voilà, Gandulf, couleur des cheveux, il les a forcément. Comme ça, à peu près. Sourcils... Ah, les sourcils broussailleux, bien broussailleux, Gandulf. Couleur des sourcils, comme les cheveux. Barbe. Je ne pense pas qu'il y aura une impressionnante barbe comme celle de Gandalf, mais... Non, il se rase pas, Gandulf. Gandulf, c'est un thug. Puis on va dire que ça suffit. Un vieux avec une barbe et des cheveux gris, c'est parfait. Regardez-moi ça, comme il est beau, notre Gandulf. Et Gandulf le vieux. Voyons voir. Gandulf le vieux, jeune branche blanche, un sorcier, âgé homme, qui s'appelle Gandulf le vieux, tout va bien. Commencer le jeu avec ce personnage, oui. Lézard de cristal, qu'est-ce qui va être important? Bah, de toute façon, on verra bien. Parce que là, c'est la première fois que je joue mage. J'ai déjà joué pyromancien dans une run précédente. Mais je sais pas trop pour les mages ce qu'ils ont au départ. On verra bien, de toute façon. Il a fallu que je m'adapte à chaque fois, la run ceste, la run pyro. La run fouet aussi. Oh, la run fouet. Il y a une seule fois où j'ai pété un câble, c'est sur l'arbre, mais bon, le fouet était juste pas adapté à l'arbre. Parce qu'il tapait le corps de l'arbre avant de pouvoir avoir une chance de toucher les nœuds qui nous permettaient de lui faire des dégâts. Donc, c'est juste non, quoi. Ouf! Petit aller-retour, là. Donc... Sympa. Ok. J'ai... Vous vous foutez de moi, là? Jean. Ah, d'accord. Oui, bah alors dans ce cas, on va arranger ça tout de suite. Voilà, merci. Et j'ai la lourde flèche d'âme et la flèche d'âme. Renseignons-nous. Non, c'est ici... 7 et 11. On verra bien ce que ça donne. La fiole d'estus cendreux qui nous sera très certainement utile. Le blé seigle, celui que je fournis le plus. C'était chaud. J'aime pas perdre de vie avant le lézard de cristal. Parce que oui, le lézard de cristal sera tué dans cette run. Enfin, toujours. De toute façon, c'est toujours le cas. Il est toujours tué en début de run. Ah oui, tiens. Petit point important. J'en ai 124. Ce qui fait que j'ai...
110, ça me fait... Bah j'en ai 12. J'ai 12 lourdes flèches d'âme. Aïe, saleté. Ok, contre lui, la magie, ça va pas être possible. Parce que, vu ce que lui a fait comme dégâts la lourde flèche d'âme avec le temps d'incantation que ça a pris, non. Non. Très clairement, non. On va y aller à l'épée. Ça fera très bien l'affaire. Cadeau. Comme d'habitude, pour aller plus vite, hein, vous sprintez dans les eaux qui vous ralentissent un peu, vous sprintez et vous allez à la vitesse de marche habituelle. Il est parti vers d'autres cieux, lui. Hein. Alors là, franchement, mec, ça, t'aurais pas dû le faire. Hein, parce que me donner la possibilité de te faire une attaque sautée dessus. Et donc, vous voyez, même si vous êtes magicien, vous n'avez pas nécessairement besoin de la magie tout de suite. Hein. Tout simplement, si vous... Comme dirait le vieil adage de Dark Souls, un guide good, comme d'hab... Mais bon, c'est vrai qu'il faut passer un certain cap pour Get Good. C'est vrai que je suis d'accord avec le fait que finir Dark Souls, n'importe quel Dark Souls, a quand même bien à voir avec le skill personnel. Ça, oui. Mais par contre, ceux qui disent « Ah, j'arrive pas à faire ça », et ceux qui vous répondent « Get good », bah juste « Get good bah, », là, par contre, je suis éminemment pas d'accord avec cette philosophie. Oui, « Get good », bah ouais, mais par contre, si toi, t'as « Get good », ça te dirait pas d'être un petit peu intelligent et d'aider ceux qui, justement, sont dans la galère? Voilà, c'est ça qui est intéressant. Get good, oui, parce que le jeu le demande. Mais c'est pas parce que toi, t'as get good tout seul dans ton coin en bavé des ronds de chapeau qu'il faut forcément que tu sois un crevard avec les autres et que tu t'empêches de les aider, quoi. C'est une partie importante de Dark Souls, l'entraide.
Donc bon, oui, Git Good, oui, certes, il y a une partie d'investissement personnel dans Dark Souls 3. En revanche, ben, Git Good, c'est pas tout seul. Pour ceux qui sont arrivés, comme dirait George Abitbol, c'est parfait, tu dois avoir le cul qui brille, mais si derrière tu n'aides pas les gens, si derrière tu ne profites pas de cette expérience que t'as donné, le jeu, ben tu, juste pour aider les autres, ben juste tais-toi en fait, arrête de dire Git Good et juste contente-toi d'être good toi, hein. Voilà. Donc là, avec ce petit bouclier là, vous avez envie d'aller, à ce point-là chercher les contres. Ça peut être très énervant au début, très frustrant de pas les réussir. En revanche, il faut prendre conscience d'une chose. Les petits boucliers ronds comme ça ont plus de frames pour réussir une parade que les plus grands boucliers. Genre par exemple, l'écusson est un bouclier qui vous permet de faire des parades, mais ce bouclier là aura plus de frames pour réussir les parades que ne peut l'avoir l'écusson. Parce que l'écusson est plus grand. Je suppose que ça symbolise le fait que parce que le bouclier est plus grand, plus lourd, il est plus difficile à manier. Et c'est moins évident d'être bon avec. Au niveau des contres. Enfin, des parades. Je suppose qu'ils ont voulu signifier ça. Voilà, excusez-moi. Je me suis tué un petit peu parce qu'il m'a un peu surpris, l'autre, avec son blocage sur mon attaque verticale, sur mon attaque plongeante. Je suis désolé. Je suis un gamin. C'est la première fois que je le fais et ça me fait quand même bien marrer. Parce que j'ai horreur du coup de pied dans Dark Souls 3. Et je trouve que ça... Des fois, il sort alors qu'on n'a pas envie qu'il sorte. Il sort pas quand on essaye de le faire sortir. Alors par contre, c'est vrai que pour lutter contre les boucliers, c'est vraiment quelque chose d'assez terrifiant. Hein. Un bon vieux coup de latte dans un bouclier et le mec, il vous dit pas merci. Hein. Je suis désolé, par contre, c'est trop drôle. C'est trop drôle de voir le mec tomber comme ça. Là. Le mec, il demande rien à personne. Il est probablement en train de réfléchir sur le sens de la vie et pourquoi est-ce qu'il est là. Et d'un coup, il y a un touriste violent qui arrive derrière lui, qui lui met un coup de latte pour le faire tomber. Je trouve la situation tellement ridicule que... Ça, c'en est drôle, moi, je trouve. Après, vous pouvez ne pas partager mon humour. Ça, je veux bien être d'accord avec vous. Mais moi, je trouve ça éminemment drôle. Donc. Alors, non. Non plus. Alors, j'ai toujours du mal à faire... Je vais juste faire un petit truc vite fait.
Voilà, excusez-moi. J'ai toujours du mal à faire ce saut. Ça, c'est. Personnellement, j'ai pas de setup. J'ai pas de setup personnel que je peux partager pour vous aider à faire ce saut mieux. Vous voyez, oui, il arrive pas bien. Ah, d'accord. Je vais faire mon petit tour avec Snuggly. Alors un autre truc qui peut vous être utile si vous voulez utiliser une arme, alors c'est les armes uniques. C'est les armes uniques qui se montent avec cette pierre-là. Vous avez une titanite scintillante ici. J'ai découvert ça un peu par hasard. Je me souvenais plus. J'avais dû le voir dans un guide d'Exerve, mais je me souvenais plus qu'il y avait quelque chose là. Ici, vous arrivez, vous laissez une bombe incendiaire. Alors, ne faites pas comme moi et quand ne spammez pas le bouton B quand vous êtes ici, parce que là, si je spamme B, on va le faire. Voilà, je mais des fois, il m'arrive de parler à Snuggly, je suis comme ça et là, vous appuyez sur B, vous êtes mort. Oui, c'est bon, Snuggly, on t'a déjà. Un jour, j'aurai une vertèbre carcan et j'irai chercher le masque de Mira, on est d'accord, mais pas tout de suite. C'est bon, fous-moi la peste Snuggly. Et là, très important à avoir dès le début de l'aventure, hein, bien évidemment. L'anneau convoiteux du serpent argenté. Alors. Maintenant, ce que je voulais voir. Peut-être prendre une petite potion. Donc, si je me mets comme ça. Ah, il y a un truc. Ah oui, il y a un truc, il y a un vrai truc. Donc, de façon personnelle, voilà, c'est quelque chose qui a l'air de bien marcher avec moi. Vous vous alignez comme ça, là, vous voyez la petite barre blanche là. Vous alignez votre tête avec le tronc qui est ici et le bout de la barre blanche. Vous courez et vous débrouillez pour réussir à sauter. Parce que là, je peux pas vous expliquer mieux parce que même moi, je comprends mal. Ce qui se passe à ce niveau-là, donc j'ai peut-être découvert un setup qui me correspond, mais après c'est un petit peu à chacun, je pense. Hein. Donc, ici. Bonjour madame. Ashen One. Alors, de façon très personnelle, je trouve que la fiole d'Estus Cendreux est très efficace et qu'on n'en a pas besoin de beaucoup. J'ai fini la run pyromancien en utilisant beaucoup les pyromancies et en utilisant que deux fiole d'Estus Cendreux. Donc, bon, je ne sais pas.
C'est à vous de voir si vous utilisez vraiment beaucoup plus la magie. Alors, j'aurais peut-être une préférence pour les armes Dex en ce qui concerne les casteurs. Parce que mettre un peu de Dex sera jamais perdu sur un build caster. La raison étant que, très simplement... Aide. Alors non, c'est pas ça que je voulais faire. Aide. Explication. La Dex. Attribut nécessaire au maintenant des armes perfectionnées. Améliore également la force d'attaque tout en réduisant le temps d'incantation ainsi que les dégâts subis en cas de chute. Les temps d'incantation sont réduits plus vous avez de Dex. C'est pour ça que je serais tenté de préférer une arme Dex pour les utilisateurs de magie. Parce que contrairement à la force, c'est pas une stat qui sera perdue, en fait. Voilà. Ça te prendra. C'est toujours satisfaisant de faire ça à ce PNJ là quand vous savez à combien il est chiant à tuer au corps à corps. Mais vraiment, il est assez pénible au corps à corps. Donc, bah là, en l'occurrence, on a une bonne arme d'ex. Hein. On a plus ou moins une bonne arme d'ex pour commencer. Parce que si je regarde... Bon, il fait du saignement déjà, ce qui peut être utile. Il a de bons dégâts de base. Et ça, c'est quoi? C'est une arme d'ex aussi. Au 12 et 7, ce qui veut dire que je dois avoir à peu près ça. Dex 12, force 7, voilà, bon. Le truc, c'est qu'au début, la magie contre les mobs tout simple, sauf peut-être éventuellement les chiens. Bon, on peut se faire. Deux niveaux de plus après ça. La mémoire, on a 16, ce qui nous fait deux emplacements de sorts. À 18, on peut en avoir 3. Et ça monte les PC. Ok. En revanche, je souhaite effectivement faire plus de dégâts avec mes... Avec mes sorts. Donc, ensuite, voyons voir. Alors, déjà, première question. Je suis à 44,5%, donc ça, c'est pas mal. Faut dire qu'avec ce que pèse mon armure, ça doit pas jouer beaucoup dans la balance. Hein. Donc... Alors après, on pourra... Mmh.
Ah oui, on a le weapon art pour probablement améliorer les formes de magie. Alors non, c'est pas ça que je voulais faire, mais... Catalyseur. Toi, tu nous racontes quoi? Champ galvanisant permet d'améliorer brièvement la puissance des formes de sorcellerie, une capacité employable, quelle que soit la main qui tient le bâton. Ça, c'est effectivement très intéressant. Je serais tenté de dire go mur de loterie, hein, de toute façon. Mur de loterie. Alors, je sais pas du tout si. S'il est sensible à la magie Vort. Je sais que la danseuse l'est. Parce qu'il y a des gens qui la cheese niveau 25 ou 30 directement avant même de faire. Enfin, à peine ils ont fait Vort, ils font la danseuse. Donc, mais il faut avoir un spell de glace. Ah non, c'est contre la. Oh, je sais plus. Je sais plus. Je m'y suis pas spécialement intéressé non plus. Donc. Ouais, la flèche d'âme va beaucoup plus vite par contre, hein. Ça c'est clair. La lourde fait quand même plus de dégâts. Alors, lève-toi un peu, s'il te plaît, merci. Ou au moins, Jean-Michel, donne-moi la vision. Voilà, et si je fais ça, c'est pas pour rien. Parce qu'il donne un fragment de titanite et une braise. Quand vous êtes au CAC, ça peut être un petit peu dur de faire ça. Mais récupérer un fragment de titanite et un fragment de titanite assez vite, c'est quand même assez sympathique. Et pareil pour celui qui aura un tout petit peu plus tard. Voilà, elle vous la, comme d'hab, hein, le blesse-aigle. Vous lui demandez poliment de se taire assez vite. Parce que sinon, ça peut être assez pénible. J'aime bien utiliser un petit peu tous les outils à ma disposition en même temps. Pas faire que de la magie, que de l'arme. Sauf quand c'est le but, quand il y a un, genre,
quand on a vraiment, quand on a, quand on est vraiment spécialisé dans un, dans, dans une voie, genre par exemple ce que j'avais fait la run chevalier, voilà, c'est quand même assez difficile de faire autre chose que d'utiliser la force pure avec des avec des armes qui sont faites pour. Parce qu'on investit dans la run chevalier, on investit très très peu dans autre chose que la force, la vigueur, l'endurance hein, et la vitalité. Ce qui réduit pas mal le champ des possibles, hein, mine de rien. J'ai un peu fait traîner, j'ai un peu fait traîner le temps que j'ai passé dans au milieu de tous les au milieu de tous les toutes les carcasses, mais c'était pour être sûr qu'il reste dans l'aire d'effet du feu. Quoi? Ah, je savais qu'il allait me tuer sur ce coup de pied. Il était forcé de me tuer puisque j'avais pas le temps de pouvoir me soigner. J'avais clairement pas le temps. Et puis, il inflige beaucoup trop de dégâts. Alors tu m'expliques pourquoi tu m'as pas sorti un coup critique là, enfin un backstab, mais... Bon, je pense qu'on peut oublier la lourde flèche d'âme sur la mimique. Après, c'est pour une hache de guerre abyssale. Est-ce que c'est vraiment utile? Ça fait des âmes. Fait tellement mal, c'est dingue. Bon, la mimique me sert pas à grand chose. J'ai pas
J'ai pas vraiment d'intérêt à la tuer, et puis bon, je perds plus de temps qu'autre chose, donc... On va l'esquiver parce qu'elle sert à rien. Là, dans la run, elle sert absolument à rien. Ça prendra, tiens. M'a tellement martyrisé lui que bon. Oh, je prends et avec gratitude, monsieur. Petit fragment de titanite random là. Je dirais certainement pas non. Bon, voilà. Alors, je voulais absolument atteindre ce feu-là avant d'aller. Je vais regarder un truc. Non, apparemment, on peut pas le toucher. Ou alors ça a tapé contre du. Non, ça s'arrête avant. Ah oui, tiens, un tout petit truc. Voilà, important. Ici aussi, vous avez un. Alors peut-être que j'irai sur la rapière du sage de cristal, qui doit être une bonne arme pour les magiciens. Je verrai de toute façon. Au pire, j'ai de toute façon l'Uchi Katana que je pourrais infuser en simple ou en je sais plus quoi. Pour avoir justement les dégâts indexés sur la magie. Mais bon, nous allons nous laisser ici pour cet épisode. Donc, mes chatons, n'oubliez pas de considérer le petit abonnement qui fait plaisir. Où est le petit pouce bleu de l'amour? N'hésitez pas à venir me voir en live, vous trouverez l'adresse de la chaîne dans la description. D'ici la prochaine fois, je vous fais à tous des léchous sur le museau. Je vous remercie d'être resté jusque-là et j'espère vous revoir tous très bientôt. Et surtout, en bonne santé. Allez, ciao tout le monde.